Salut à tous, c'est PFR Games FR sur PES 2016. On va tout de suite enchaîner sur le dernier jour de la période des transferts. Waouh, non! Équipe du mois de janvier. Ah, ça c'est bien. Le seul joueur à mon équipe. Ah, à côté de Moura, Matuidi, Mota, Silva, Tovin. Ah, de beaux joueurs quand même, hein. J'étais meilleur qu'Ibra par exemple dans ce mois-ci. Voilà, donc on va enchaîner. C'était le dernier jour de la période des transferts. Enchaîner sur l'AS Monaco contre qui on avait perdu lors de la phase aller. Cinq matchs toujours hein, à faire dans cette vidéo. Voilà. Dans le précédent épisode, sur le dernier match, nous avions marqué deux buts pour une victoire 2-1 face à Nantes. C'était notre premier doublé et on a marqué 4 buts en jouant 20 matchs. 3 passes décisives également. Alors je peux peut-être être plus rapide que Raji plutôt que... Ah, l'autre côté, je crois que c'est Ricardo Carvalho qui est assez âgé et qui a du coup perdu de la vitesse. Donc voilà. Comment dire? Ouh, oh là là. Je pense qu'elle partait bien celle-là. Je sais pas où. Ouais. C'est Ricardo Carvalho, je crois, qui revient. Faut voir ça, mais... Est-ce qu'il a le brassard, le joueur? Eh non, c'est... Tout là, on dirait qu'il tape. Voilà. Pour le premier corner de ce match. Oui! Contre son camp? Ouais, contre son camp. J'ai cru que c'était moi, mais... Voilà, j'étais au duel. Hein. Et 1-0 face à Monaco... Ah! Ouais, j'étais au duel, j'ai poussé à la faute. 1-0. Voilà, en 10 minutes, j'ai une première occasion. Et derrière, sur le corner, ben, je suis au duel. Et le défenseur marque son camp. Là, là, la déviation, c'était bien joué, ça. Allez, les gars, faut en mettre un deuxième. Parce que beaucoup trop de fois, on a marqué le premier but et on s'est fait rejoindre. Et touche en notre faveur. Oh oui. Ah, dommage. C'était bien tenté, mais c'était trop long. Ah, je suis du mauvais côté, dommage. Allez, donne-moi là. La frappe. Ah. Ouah, ça rase le cadre. Allez, un bon début de match, une bonne première mi-temps. Ah, ça rase le cadre. Et le but. Et la petite danse. Voilà. Ça, c'est bon, ça. 2-0. Elle est magnifique. Enfin, elle est magnifique, quoi.
une mauvaise relance de Carvalho, et puis là, ben, il n'y a personne, quoi. Enfin, la frappe dans le trouf, le côté fermé du gardien. Le cinquième but, donc, de Torres dans cette Ligue 1. On était le 39e meilleur buteur. Attention, hein. Et là, on va monter de quelques places normalement avec ce but. Sachant que le meilleur buteur, c'est-à-dire Zlatan, a marqué 16 buts. Donc on est bien loin de lui. Ça se voit qu'on a augmenté de niveau parce que c'est plus facile de trouver les défenses et voilà, de se créer des occasions tout simplement. On va plus vite, on est plus physique, pardon. Plus rapide également. Voilà, là je redonne. Ah non, il n'a pas continué. Allez, va au pressing Torres. Vas-y. Allez, on y va. Ah, ils voulaient me la redonner. Ils ont plus confiance en moi aussi, les joueurs. Je commence à marquer des buts, du coup, voilà. Je suis le meilleur buteur du club, tout simplement. Oh, faute! Eh, mais oh! Heureusement que j'ai touché personne sur ce tacle, complètement loupé. Ils gardent le ballon, mais bon, ils avancent pas, donc. Ah dommage, c'était le jeu, on peut dire, mais la passe c'était mauvaise. Je regarde les joues, la bataille des joueurs et je regarde pas où je suis. Et là, je suis hors jeu. Oui, bien. Allez, c'est bon ça. Allez. L'appel. Ah, je la contrôle, mais derrière moi. Ah, mais laisse, il me donne la passe. Il me donne la balle. Voilà, bah, victoire 2-0, hein. Avec un nouveau but de Torres. Avec deux buts à un tir cadré. Monaco quoi. Marseille, Monaco, on a gagné, on fait deux matchs nuls face à Paris. Et on est 12e quoi. À 11 points du premier relégable. Oui, parce que je me suis rendu compte que c'est dans PES, c'est que les deux derniers qui descendent. Vous avez les deux petites flèches rouges à droite, j'allais dire à gauche, à droite, qui indiquent la descente pour ces équipes-là. Et on augmente la vitesse encore. Oh là 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 là. Et la détente, un peu. On est 75 de général. On était parti en début de saison à 69, donc c'est très bien quoi. Ah, on est sur le banc pour se reposer quand même un peu. Alors voyons, l'entraînement.
Est-ce qu'on peut pas mettre autre chose? On va améliorer la tête. Voilà. Tac. Match suivant contre le SC Bastia. Alors par contre, on va changer les maillots. On va jouer en jaune et eux en bleu. Ah, c'est trop en blanc, blanc et bleu. Voilà. Je crois que c'était déjà en blanc et bleu, mais dans le sens inverse. C'est pas grave. Allez, le Sébastien. Ah oui, c'est vrai, on est sur le banc. J'avais zappé ça. On est en blanc. On est en blanc. Oh, ah, Corentin Jean qui marque son premier but de la saison. Eh ben, ça part sur les chapeaux de roue. Hein. Attention. Ah. Oula, Brandao qui a failli égaliser. Il tente, mais il n'y arrive pas. Alors sûrement qu'on va rentrer en jeu en seconde mi-temps. Alors pendant ce temps, je regarde. Là, j'ai terminé le montage de l'épisode 2 et on est au tournage là de l'épisode 5. Oui, voilà, de l'épisode 5. Donc, je vais uploader l'épisode 2 pendant que ça se fait. Et puis tout à l'heure, je commencerai l'épisode 3. Alors par contre, je vous parle un peu de mon logiciel de montage. Donc t'es pas top, hein, c'est pas. Je peux pas faire des trucs de fou avec. C'est Pinacle Studio, je sais pas si certains connaissent. Pinacle Studio HD. Et voilà. Je peux pas faire des trucs de fou, mais il est pas mal, quoi. Et on n'est même pas rentré en seconde mi-temps. On mène 1-0, ça c'est bien ça. Allez les gars. Oh, y a faute. Oh, mais ça c'est incroyable quand même. Et là, on va rentrer. Eh non, toujours pas. Il veut voir un peu Corentin Jean, ce qu'il donne. Nous, on doit être fatigué. Et là, il y a faute, quand même. Bah oui, il n'y a rien à dire. Et là, et non, bah, 66 minutes de jeu. Bah, il a décidé de faire jouer le match en entier à Corentin Jean, sûrement. Hop, allez, faut surtout pas qu'ils égalisent. Là, le ballon est sorti. Mavinga. Et ouais, je vais pas rentrer. Hein. Oh, il fait tourner en fait. Ah, peut-être parce que c'est peut-être un match de coupe. J'ai pas fait attention, la Coupe de France. Je sais pas s'il y a la Coupe de France dans PES 2016.
Oh là! Et voilà, bah, l'égalisation. Non, c'est la Ligue 1. Feuille d'Aïté qui égalise. Je le craignais. Et je rentre pas, bon. Il reste 3 minutes de toute façon. Ouais, ça va faire match nul, hein. Voilà, match nul sur ce score de un but partout. C'est dommage qu'on ait pris ce but en fin de match. Et Corentin Jean qui est élu homme du match avec une note de 8. Pardon, de 8. Et du coup, ben, vous aurez droit à 6 matchs puisque je n'ai pas joué, que ça a été plus rapide. Toujours 12e, 32 points. Ah, on est dans le ventre mou. On a toujours. Non, on a. Purée, j'arrive plus à compter moi. 9 points d'avance sur le premier non relégable. Allez, le Stade Malherbe de Caen, journée 27. Ça va ultra vite. Et on est encore sur le banc. Alors là, pourquoi sommes-nous sur le banc? Car on est peut-être fatigué ou blessé? Attendez, avant de lancer. Désigner remplaçant, forme. Mes données. Donc ça, c'est ça, ouais. Ouais, je sais pas. C'est bizarre, quoi. C'est chelou, comme on dit. Bon, ben, pendant ce match, du coup, je vais vous faire un peu de chant, hein, parce que j'aime bien chanter aussi, et voilà, pour passer le temps, que vous ennuyez pas devant ce match-ci, face au Stade Malherbe de Caen, je vais vous faire, voilà, du Djenalit, une chanson qui date maintenant, qui s'appelle « J'aimerais tellement ». Vous faire le refrain parce que je connais pas toutes les paroles par cœur, pardon. J'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur, mais je n'ai plus les mots. Oh, j'aimerais tellement te dire que je n'ai plus peur, mais ces mots sonnent faux. Oh, je dois tout recommencer une nouvelle fois. Bébé, pardonne-moi si je fais un faux pas. Tu sais, j'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur, mais je n'ai plus les mots. Oh. Alors qu'il y a un hors-jeu sur le terrain. C'est le petit moment chanson. Pendant ces matchs où je suis sur le banc, où je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a rien qui m'a dit que. Pourtant, j'ai fait de bons matchs. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. De temps en temps, je craque sous le poids de l'espérance. À contre-temps. De temps en temps, je vis de rien. On va le refaire. Hop, alors que c'est la mi-temps. On va voir si je vais rentrer. Vu qu'il y a 0-0, peut-être. Et oui, je suis sur le terrain. Voilà, bon, ce moment chanson était court. Il va falloir marquer pour. Allez, donne! Ah! Faut se reconcentrer maintenant. Oh, je l'ai décidé, quand je serai sur le banc, vous chanterez un petit bout de chanson. Voilà, ouais, ça se passera comme ça. Dans le précédent épisode, pardon, je disais que je préférais le mode pro de PES par rapport à FIFA. Par rapport à celui de FIFA, parce que justement, on peut être justement sur le banc. Dans FIFA, c'est soit t'es sur le terrain, soit t'y es pas. Et je trouve ça dommage. Parce que la base d'une carrière, c'est t'es pas tout le temps titulaire
Tu peux être sur le banc, quoi. Je sais pas. C'est bizarre que EA Sports n'y ait pas pensé. Konami l'a fait, eux. Oh oui. Oh non. Allez, le pressing. Oh, il m'a stoppé net, hein. J'ai pas pu. Oh, faute! Eh, hey, mais arrêtez, monsieur l'arbitre! Le centre, aïe aïe! Ouf, bien défendu ça. Ah, ça ne passera pas. La récupération. Attention. Ah, là, je suis un peu seul. Oh, je suis passé. Mais je suis repris derrière. Ça va encore finir sur un match nul. Il y a faute par contre, il m'empêche complètement de tirer. Et 0-0, voilà. Un nouveau match nul, hein. On les enchaîne. Et du coup, ben, ouais, voilà, 6,5, j'ai eu. Je suis l'homme du match, j'ai joué 45 minutes, je suis l'homme du match en ayant pratiquement rien fait. Voilà. Et on redescend quand même à la 14e place avec ces deux matchs nuls d'affilée. Alors là, gros. Ah, Lille. Un gros match. Alors, va-t-il nous faire jouer? Voilà, je suis titulaire. Enfin! Enfin! Allez, c'est parti pour Lille. Pas de chanson. Le jeu, il a dit non, ne chante pas, arrête, arrête de chanter. N'empêche, je pense, je sais pas ce que ça a donné à avec ce micro, le chant, mais ça peut être un bon truc, ça, pour faire, pour chanter quoi, finalement, pour enregistrer. Je sais pas, ça ne demande qu'à être essayé. Je verrai ça quand je regarderai. Comment on appelle ça? La vidéo, quoi. Au final. C'est le premier match qu'on joue contre Lille. Parce que lors de la phase aller, nous n'étions même pas sur le banc. Balance pas! Oui, mais je suis meilleur la tête maintenant. Ah, un peu trop profond. C'est dommage, elle sort pas de beaucoup. Il a failli passer avec la balle. Ah! Bouffal. Alors je pense que lorsque PES 2017 sortira, je continuerai à faire des vidéos sur ce 2016, ben pour continuer ce mode vers une légende. Et je pense que bon,
J'irai jusqu'au bout de ce mode vers une légende. Ça peut prendre de longs moments. Parce que une quinzaine de saisons, donc pas mal de vidéos. Et lorsque ce sera terminé, je commencerai sur PES 2017. Alors ce sera pas encore, quoi. Parce que là, on est déjà au cinquième épisode. Et on n'a même pas fait une saison. Donc ça prendra longtemps. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Allez. Allez au pressing. Ah. Et 0-0 au stade de Sagittaire. Allez, seconde mi-temps. Ah, purée, failli récupérer. Encore une fois, j'ai failli récupérer. Comme je dis, il ne faut pas faillir, il faut réussir. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. La frappe. C'est ambitieux. J'aurais dû centrer sur la deuxième. J'ai failli la contrer. Oh. La talonnade ratée. Oh, c'est passé. Ah, trop court. Si j'arrivais à le mettre celui-là, c'était magnifique. Oh, le contrôle, oui. Allez, on repasse. Non, pas en l'air. La fais pas en l'air comme ça. Boy Le Sen. Oui, je le connais pas. Je sais pas si je joue à Lille, si je joue vraiment à Lille. S'il a vraiment joué à Lille cette saison. Allez, allez, on y va. Ah, j'ai pas pu la contrôler. Il a pas pu la mettre ailleurs. Pourquoi je suis resté là? Je suis hors jeu, quoi. Oh, d'un bon maître. Je suis largement hors jeu. Non, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi cette passe là? Purée. Oh. Eh ben 0-0, hein, encore, hein. Encore un match nul. On doit y être au 15e au moins. Une note de 6. Le gardien, il me semble, était homme du match. Combien de matchs nuls avons-nous fait? 13. Oh là 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 là. Attention que les matchs nuls. Lyon. Alors, titulaire ou remplaçant? Titulaire.
Oui, voilà, c'était juste. Mon joueur était fatigué, du coup. Il m'a fait me reposer. Allez, Lyon, on avait perdu le premier match à la phase aller. Cette fois, on va les gagner. On a gagné Paris. Non, match nul contre Paris. Monaco, on les a battus une fois. Et Marseille également une fois. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas contre Lyon ou qu'on fasse un match nul. On joue à domicile en plus. Ça, quand je fais des appels plein axe comme ça, faut que j'appuie sur R2, sinon il me fait pas la passe. Il y a l'espace et tout et... J'essaye de pas pousser le jeu à... Mais bon, si on veut marquer des buts, il faut quoi. Non! Le fais pas. Oui. Au bon moment, il a fait. Regardez, je suis plus rapide, non? Pas là. Pas là. Mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là. Mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es où? Vous imaginez que je prends l'avance car je n'aurai pas ma play à PlayStation, je rentre chez mes parents. Là, le jour du tournage, nous sommes jeudi. Oh, la frappe! Nous sommes jeudi. Et samedi, je pars chez mes parents pendant 4-5 jours et donc je vous prévois du contenu pour que vous puissiez en avoir, tout simplement. Et l'arrêt du gardien, le ouh! La tête d'abord, le sauvetage, et puis je sais pas si c'est une passe ou une reprise, on dirait une passe. Mais c'est sauvé du bout du gant par Anthony Lopez, qui se fait écraser d'ailleurs. Et ce nouveau corner. Alors là, je vais m'avancer. On va faire ça. C'est un corner encore. Ouais, c'est un corner. Hein. Ah non. On aurait dit qu'il indiquait le poteau de corner, mais non. Ouais, ne baisse pas les bras, il a dit. On l'a entendu. Enfin, moi je l'ai entendu, je sais pas vous, mais. Oui, bien ça. Par contre, oui. J'ai passé un biwa. J'ai passé un biwa. La frappe! Ah, oh, côté! Dommage. Le problème, c'est que j'étais du côté gauche du terrain. Alors que je suis gaucher, donc je suis rentré, j'ai frappé pied droit. Il a vraiment progressé mon joueur parce que ça j'arrivais pas à le faire en début de saison. Là j'ai mis un bon coup de rein et j'ai éliminé Yangambiwa. Ça frôle le cadre. Ça aurait pu finir au fond. Ça aurait dû finir au fond. Allez, allez, au pressing, laissez pas Raphaël tout seul comme ça. Voilà, c'est bien ça. Non. Allez, envoie-la. Envoie. Il va siffler. Voilà, 0-0 à la mi-temps. Face à l'Olympique Lyonnais.
Ah, il n'a pas reçu. Lors du précédent match contre l'Olympique Lyonnais, c'était Lacazette qui avait marqué. Ils avaient gagné 1-0, les Lyonnais. J'ai pas compris ce qu'il a fait, mon joueur. Il avait le ballon devant lui et il l'a pas pris. Ah, il y avait hors-jeu, de toute façon j'avais tiré sur le gardien, limite l'hors-jeu, mais j'y étais. Ah, je suis nouveau tout le temps titulaire là. Il peut pas me la faire en l'air? Pour une fois que je la demande en l'air, enfin que je la veux en l'air, il la fera à terre. Oh, le contrôle! Faut que j'améliore mes compétences de contrôle là aussi. Parce que. Fekir qui rentre. Oh, magnifique. Magnifique centre. Oh, qu'il est beau. Court. Ça va nous offrir, nous. Hey, j'arrive pas à parler, ça m'énerve. Ça va nous offrir la victoire, ce but-là. Voilà, hop, je décale en une touche. Bon, j'avais fait l'appel pour qu'il me la redonne, mais ce qu'il a fait, c'est encore mieux. Second poteau, la tête plongeante qui trompe Anthony Lopez. J'ai fait une faute, oui. Ah, fallait me lancer devant là. Bon, ben c'est la victoire tout de même. Score de 1 but à 0, Johan Cour. Il me semble que c'est Johan hein, qui a marqué ce but victorieux. Note de 5,5. Ouais, voilà, pas très grandiose. J'ai eu quelques tirs, mais voilà, je les ai pas mis au fond. Et on est 14e. 14e, 10 points d'avance sur le premier non relégable. C'est très peu 10 points d'avance. Le Gazélec Ajaccio. Voilà, je pense que ce sera le dernier match de cette vidéo. On est titulaire. Voilà, face à une équipe contre qui on doit gagner. Le Gazélec Ajaccio qui est de même niveau que nous. Ah, autiste. Enfin, autiste, pardon. Excusez-moi. Je pète un câble. Je pète un câble. Et j'espère qu'on va enchaîner les victoires maintenant. Car ouais, ça commence à bien faire. On a gagné contre Lyon, qui est une grosse équipe, encore une fois. Mais contre les petites équipes, eh ben, on fait des matchs nuls. Voilà.
Il faut se motiver sur tous les matchs. Voilà. Hop. Ah, j'ai loupé. Hein. Allez. Allez, ça passe. Ça passe. Oh. Faute, faute, évidemment. Toujours du même côté les fautes. Hein. On n'a jamais eu de coup franc dangereux près de la surface. Oh, il me la donne, il me la donne, il me la donne. Oh, le poteau. Oh. Ah, j'arrive pas à la frapper. Là. Il m'avait fait la passe de la tête. Il m'avait lancé droit vers le but. Et je frappe pied droit encore. Hein. Je sais pas pourquoi je me tourne toujours de ce côté-là. Putain, je sais que mon joueur est un gaucher. Voilà, le contrôle. Et oui, la passe. Oh, il a mis à côté. L'enchaînement était parfait. Oh, dommage. Ah, mais vas-y. Ouais, il a vu que c'était trop long, je pense. Et là, il s'est dit, ouais, c'est quoi ce ballon que tu manques, quoi? Et il me renvoie au charbon. Zéro zéro. Ah, le poteau encore. Si on perd, il y a cette frappe sur le poteau pied droit. Ça, c'est un peu de la merde. Ah, là, il y avait un peu trop de monde. Par contre, rapprochez-vous parce que... Voilà. Alors j'ai gagné, reperdu le ballon, regagné. Ah, ça passe pas. Allez, il faut une victoire là, il faut une victoire. Il reste du temps, il reste du temps.
Nous reste un peu de temps encore. Allez. Oh! L'enlever du bout du pied. Allez, tu l'as. Oh, dessus. Oh, dommage. Oh là là. Et ben voilà, c'était le dernier match de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. C'était PFR Games. Je vais la refaire, ce sera mieux. Merci de m'avoir suivi. C'était PFR Games FR. Restez comme vous êtes. CPES 2016. Impro total.